Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Origins et on va continuer le dernier DLC sorti. Où est-ce que je vais? Dans mon avis, il aura une autre entrée. Une statue grecque désigne l'endroit où les textes sont cachés. Ça m'a l'air d'être là-haut cette histoire, non? Ah, il y a des statues au-dessus d'ailleurs. C'est pas ça? Pas du tout. Ah si, peut-être, peut-être. Ah non, c'est à l'intérieur. Ça a l'air d'être à l'intérieur. Théouti a dit qu'une statue lui avait désigné le rouleau. Oula! Je les ai pas vus. Je vais enlever mes lunettes. C'est des lunettes pour éviter d'avoir les yeux défoncés par l'écran, vous voyez. Mais le problème, c'est que je ne vois rien. Le matin, quand je fais les vidéos, je vois rien. Allez, lui, on va se le faire tranquillement. Hop! Lui, il m'a repéré. Ah bah non, même pas. Ah, mais ils sont deux. Oh, je pensais pas que ce serait galère à ce point-là, moi. Ça va piquer. Hein. Sauf si... Voilà, je fais l'enchaînement, au moins ça va lui enlever de la... Ça va lui enlever de la vie. Voilà. Ah oui, non mais non, c'était pas prévu ça. Oh l'enfoiré. Il a mis une sorte de fumigène, je sais pas trop quoi là. Oula. Ah mais t'es vénère à mort toi. Pourquoi j'arrive plus à le bloquer? Ah c'est bon, il est mort. Chaud. Attends, y'a des trucs à récupérer ou pas? Y'avait rien sur vous. Ah putain. Ah la voilà. La statue dont parlait Djaouti. Elle désigne le haut de cette étagère. Genre celle-là? Non. Attends, fais voir. Ah si? Mais tu veux pas que j'y aille? Alors peut-être celle-là. Voilà. La porte du temple est cachée. Il y a un message griffonné. Les hommes de Tikon cherchent aussi le sanctuaire d'Akhenaton. Ok, on est arrivé où fallait. Normalement. Donc ça se trouve dans l'eau. Enfin, il semblerait. Ça m'a l'air pas mal ça, il y a un truc là. Ok, je suis dans la zone d'investigation. Le temple de l'Aton. Alors le seul problème c'est que je risque de ne plus pouvoir respirer. Alors est-ce que c'est là justement qu'il faut aller peut-être? Non, là c'est pour respirer. Ok, et on va y retourner. Ok, ça doit être quelque part dans le coin. Aton vivant qui a créé la vie, jaillissant de la semence d'Amenhotep, a enfanté le fils dans le ventre de sa mère, la grande épouse royale, la reine Tilly. La beauté aux cheveux longs. Le pharaon Akhenaton tenant une relique. Il l'a fait. Il a renié les dieux. Tous les dieux, y compris la triade d'Ébène. Alors le fils est mort, pour renaître en Réoracti. Akhenaton, lui, se réjouit à l'horizon. Ok, alors le problème c'est qu'elle a écouté tout son baratin, il y a des chances que je crève, donc je vais remonter vite fait.
Il me reste juste un truc à trouver, je pense. Ok, on y retourne. Mais je pense que ça doit être dans le coin. Genre là. Le palais royal d'Akhenaton, sur lequel veille Akhenaton et sa femme bien-aimée, Nefer Nefru Aton Nefertiti. Ah non, c'était un des trucs, mais c'est pas tout. Si le pharaon détenait la relique, qui l'a maintenant? Ok, faut retourner là-bas. Isidora doit affronter la vérité. Ce n'est pas la volonté d'Amon. Je dois lui parler, découvrir comment apaiser le pharaon. Ça marche, on y va. En tout cas, c'est bien beau. Hein. La vache! Alors, il y a beaucoup de quêtes secondaires. Je vais vous trouver, serpent, et trouver les offrandes que vous avez volées à Amon. Il y a beaucoup de missions secondaires qu'on fera probablement parce qu'il semblerait qu'elles soient très variées et assez intéressantes. Contrairement à l'aventure principale où c'est un peu répétitif quand t'as déjà joué à Assassin's Creed, on va dire. La malédiction apporte une triste récolte. As-tu trouvé la réponse dans les champs? J'ai trouvé ceci. Tu oses apporter ça dans la maison d'Amon? Je l'ai trouvé dans un temple consacré à Akhenaton l'apostat. Qu'est-ce qu'il tient? Il vénérait le disque solaire, l'Aton. Ce n'est pas le soleil qu'il tient. C'est la relique que je cherche. C'est elle et l'homme qui la détient qui cause la malédiction, pas Amon. C'est ça la volonté d'Amon? Hein? Il enverrait un hérétique, le pharaon qui l'a renié. Touya! Non! Je l'ai envoyée à Thèbes, en lui disant qu'elle serait à l'abri. Je l'ai tuée! Akhenaton est toujours là. C'est lui la clé de la relique. J'ai fermé les yeux. Caché derrière le voile d'Amon. Ah. Comment est-ce... Isidora! Ce n'est peut-être pas l'Amon, mais Amon peut le vaincre. Ah, ce ne sont pas les dieux. Tu ne comprends donc pas. Le Seigneur des Limites règne toujours sur Thèbes. Et je suis l'épouse d'Amon. Le peuple doit savoir qu'il entend toujours ses plaintes. Alors dis-moi quelle est sa volonté. Un simple grain de poussière d'une statue divine d'Amon. Il purifierait la demeure d'Akhenaton dans la vallée parmi les vrais rois. Métikon a pris tous les objets de valeur des temples et des tombeaux. Il ne nous reste rien. J'ai déjà entendu parler de ces méfaits. Ces hommes sévissent dans les campagnes. Et ils nous traitent de haut. Il se pavane comme un scorpion au temple d'Hatshepsut. Je vais le trouver. Lui et ce qu'il a volé. Bayek! L'homme qui détient ta relique. Quand tu le trouveras, que feras-tu? Puisse Amon veiller sur toi. Tikon fait ses affaires aux alentours du temple d'Hatshepsut. Voilà, on a terminé. On a terminé cette mission. Ça a duré un petit moment quand même, ça nous a fait beaucoup voyager. C'est pas forcément marrant, mais bon, moi c'est fait. Donc, du coup, on va repartir et on va prendre une autre mission. Enfin, une autre quête, si vous préférez. J'ai que des niveaux 48 pour continuer, donc à la limite, on va prendre la 44. De toute façon, je crois que c'est celle-là qu'on doit faire.
On va aller au marché. Donc là, nous arrivons au marché. On va faire la mission. On va essayer de gagner un peu d'XP quand même. Parce que c'est vrai que les prochaines missions, si. Enfin, les prochaines quêtes, si c'est 48. Ça va piquer. Hein. Si la relique a été volée dans le tombeau d'un pharaon, quelqu'un doit connaître le voleur. Ok. Bah oui, c'est exactement ça. C'est la quête qu'on doit faire à la suite en fait. Trouver la dernière relique, donc c'est ça. C'est tout ce que tu as. Pourtant, on m'a dit qu'on trouvait des objets provenant des tombeaux ici. Les reliques, ça ne rapporte plus rien, Neb. Les gens veulent surtout se protéger des malédictions. Ils veulent des scarabées, des amulettes. Ça marche. Je cherche quelque chose d'insolite, d'ancien. J'ai de quoi payer. Si tu cherches ce genre de babiole, va t'en voir Siamoun. Il a dans ses coffres ce qui se fait de mieux à Thèbes. Ok. Alors, où es-tu, Siamoun? Est-ce toi? Ouh, ça a l'air. Bienvenue, Séni, à l'échoppe de Siamoun. J'ai les marchandises les plus rares. Tu cherches quelque chose dans la grande ville de Thèbes? Un objet provenant d'un tombeau. Un tel trésor vaut le contenu du tombeau d'un pharaon. Partons, Neb. Les soldats ne sont que des idiots, mais leurs épées sont tranchantes. Allez, viens. Peu de marchands acceptent de vendre à un étranger. Et pourquoi ça? Tu es en plein cœur du marché noir. Tandis que je regarde l'abîme, je comprends ma vacuité. Si l'ironique ne manque pas, la confiance y est une denrée rare. Mais si alors je vais m'accoupler à mon ombre et porter au deux enfants, les cracher et les vomir. Certains pourraient et vous, chercher à profiter vous inclinerez devant nous. De débarquer à Thèbes, surtout s'il semble fortuné. Tu devrais être plus prudent, Neb. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'elle disait, la meuf qui parlait en même temps que Siamoun, mais c'était un peu abusé, quoi. N'importe quoi. Elle va copuler... Enfin, elle va féconder... avec son ombre pour vomir deux enfants. Un truc de ce genre-là. Très bien. Oh là là, tu m'emmènes là, toi. Mais t'es malade. Ah, le mec il m'envoie en plein guet-apens quoi. Allez, ça c'est fait, il en reste un, hop. Ouais, t'es trop lent. Alors je vais changer d'arme parce que j'aime pas du tout l'attaque combo de cette arme. Ça, ok, tu fais plus de dégâts. Mais vaut mieux l'autre où tu fais une grosse charge et voilà quoi. Bien, reprenons où on en était. Je cherche un artefact volé dans l'un des tombeaux. Oh, cet artefact-là? Oui, oui. Mais Irsu ne doit pas savoir que je t'ai parlé. Irsu? Si je comprends bien, tu ne sais vraiment rien. Je sais comment égorger un homme avant qu'il puisse appeler au secours. Il y a des enchères. Très fermées. J'ai essayé d'y aller, mais je ne m'entends pas bien avec Irsu. Où est-ce que je peux trouver une invitation? Taemet en a une. L'historienne, tu la connais. J'avais joué au dé avec elle pour essayer d'en gagner une. Nous jouons sur un toit, au nord d'ici. Oh, Parorus, c'est tout ce que je sais. Laisse-moi la vie. Ça marche. Donc on va jouer au dé, si j'ai bien compris. C'est bon, j'ai trouvé. En tout cas, je vous ai parlé de Scarabée Géant et tout à l'épisode précédent. Pour l'instant, on n'a rien vu, hein. Je suis déçu. On va le voir. Hein. Parce que c'est un monde totalement à part. Mais je pensais que ce serait un peu plus tôt quand même. Je pensais que ce serait vraiment un peu plus tôt. Bonjour. Oh, nom d'une bouse de scarabée, mais qu'est-ce qui se passe?
Laisse-moi rejouer. Si je perds, je te donnerai le double. Mais je t'en prie. Je sais que tu as une invitation. Jouons-la, d'accord? J'ai des pièces. Et si je veux garder mon invitation? Tu y as pensé? Ça m'étonnerait que tu en aies plus besoin que moi. S'il te plaît, ma mère est malade et elle aimerait tant que... Ah! Ton oncle ment mieux que toi. Qui a invité ce bandit? Il est avec toi? Je ne l'ai jamais vu. Gagné! Allez, paye, femme! Tu as triché! Comme tu l'as fait avec lui, bandit! Je le savais! Ah, mais pourquoi je dois me battre contre ces gens-là? Moi, je m'en fous! Je m'en fous qu'il ait triché! Tu peux encore marcher. Sûrement pas, tricheuse! Tant pis, je t'aurais prévenu! Toi, t'as choisi le mauvais cheval! C'est ça que je disais, tu vois. C'est que l'attaque. Ah bah alors là je galère mais alors comme jamais quoi. Ton invitation. J'ai déjà perdu tout mon argent, Neb. Bayek, je ne veux pas d'argent, mais des informations. Et ton invitation. Aux enchères d'Irsu, tu as entendu ce que j'ai dit à ce crétin roux de Soutek? Mais ce gamin ne t'a pas sauvé la vie, Taemet. D'accord. De toute manière, je préfère m'en aller. Avec ces profanations et ces pharaons qui reviennent à la vie. Tu sais ce que vend Irsu? Quoi que ce soit, c'est ce qui a amené la malédiction. Écoute, Irsu est un escroc. Ses acolytes et lui ont trouvé le tombeau de Nefertiti et y ont volé quelque chose. Et elle veut le récupérer. Personne ne mérite plus la mort que ce scélérat, mais elle en a après nous tous. Mon invitation est dans ma villa. Près de l'entrée de Karnak. Prends-la, si les dieux le veulent. Les dieux... Tu verras. J'ai une partie qui m'attend à l'autre bout de Thèbes. Que les dés soient avec toi, Bayek. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, là? Elle est piégée, je ne sais pas. En tout cas, je vous rappelle qu'il y a un concours en cours, hein. Et je vais vous rappeler à chaque vidéo, hein. Pendant toute ma vie. Concours Instant Gaming, vous cliquez sur le lien, vous choisissez le jeu que vous voulez gagner. Si vous êtes tiré au sort, tant mieux. Sinon, bah, vous aurez un bon d'achat de 2€. C'est 2€ ? Ouais, c'est 2€, il me semble. Ce qui est pas mal, on va pas se mentir. Hein. Pour toutes les participations, hein, c'est énorme. Le bureau de Taemet est en dessous. Et y aura un concours tous les mois. Voilà, tous les mois, concours pour gagner le jeu de votre choix. Qu'est-ce qu'a dit Taemet déjà ? Si les dieux le veulent. Des roues? Peut-être que les statues pivotent. Alors, je veux savoir c'est où t'as vu des roues. Ah, ça, ok, ok. Elles ont toutes l'air de tourner dans la même direction. Ouais, elles tournent ensemble en fait. Ah non, pas du tout. Ah ok, à mon avis, il fallait pas faire ça. Ah bah si. Ça a marché. Je m'attendais à un truc plus compliqué, hein. On va pas se mentir.
similaire à l'orbe de Siwa. Combien de folies meurtrières va-t-il provoquer celui-là ? Et une autre quête de terminée. Je dois me dépêcher de rejoindre l'île avant que la relique soit vendue. Et on passe niveau 46, c'est parfait. En même temps, en gagnant 20 000 d'XP, c'est un peu normal. Attends, on va regarder. Quelle quête je dois prendre? Bah, c'est celle-là, hein. La Dame de Grâce. Ayant obtenu l'invitation, blablabla, blablabla. Donc c'est ça. Alors, est-ce que c'est sur cette île? Non, je pense que c'est plus derrière. Ah, quoique. Oh, ça m'a l'air d'être là, hein. Ouais, c'est là. Oula! Ah oui, mais ça, j'avais pas prévu, ça. Qu'il y aurait des gens. T'arrêtes? Loué soit Amon! J'ai gagné! Meurs! Voilà, il en reste un normalement. Ah bah non. Bon. Je suis sûr qu'il y en avait encore un. Ah, il y a un croco. Oh, c'est bon. La relique remplacée par... par une pomme à moitié mangée. Ah. Ce voleur ne manque pas d'humour. Bon, c'est qui c'est? Quelques trucs. Des hommes de main. Mais où sont les marchands qu'ils devaient protéger? Quelqu'un était pressé de partir d'ici. Ils ont fait des prisonniers. Celui-là est mort avant qu'on le fasse embarquer. Mais d'où venait-il? Peut-être de s'être jeté sur le fleuve. Les enchères étaient en cours quand les soldats sont arrivés. Quelqu'un a profité de la confusion pour prendre la relique. Mais qui? Un soldat ou quelqu'un d'autre? Ils ont tué les gardes du corps et ont capturé les marchands avant de les emmener au sanctuaire d'Hatshepsut de l'autre côté du fleuve. Quoi qu'il en soit, c'est là que mène la piste de la relique. Il est un peu con Bayek, hein. On sait tout de suite qui c'est, quoi. Bah, juste avant, il y a une séquence avec le mec qui partage sa pomme, quoi. Ah, il est peut-être... Ah, peut-être qu'il était pas encore arrivé, Bayek, à ce moment-là. Mais si, il était là, il s'est assis à côté. Ok, nous y sommes. Et c'est une zone interdite, ça paraissait tellement logique. Ok, on a trouvé la cible. Maintenant, les ennemis. On marque tout le monde. Pas le maximum. On va passer sur le côté. Voilà, nickel. Qu'aurais-tu maudit, Sirso ? C'est toi qui as amené cette horreur à Thèbes. J'ai tué pour cette relique. Elle me... Où est l'artefact? Je suis assis dessus. Ne me provoque pas. Mon crétin ne veut la voler. Mais où est le tombeau? Il n'en sait rien. Toi, tu le sais. Demande aux autres. Eux, ils savent où chercher. Qui sont les autres? Avec qui tu travailles?
Tu veux me rendre service? Alors tue-moi. De toute manière, je suis fini. Non, 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 non. Hé, hey, ton neveu, où il est allé, hein? Mes hommes l'ont pourchassé à l'ouest du lieu des enchères. J'aurais dû le tuer avec ses parents. Il voulait me livrer. Est-ce que je l'assassine? Non. Même s'il me l'a demandé. Ok. Ok, ok, donc il faut qu'on sorte d'ici. Alors, est-ce que je me ferai... Ah, le truc, c'est que je peux me faire le mec à l'arbalète, mais il y en a tellement d'autres à faire que... Non, pas le temps, quoi. On va vite se barrer. J'ai débloqué un voyage rapide en arrivant ici, donc ça c'est nickel. J'étais en train de me dire qu'il fallait peut-être que j'aille chercher l'autre qui est là-bas. Mais au final, à 50 mètres près, on va pas se prendre la tête. Hein. Alors. Voilà, c'est localisé. Alors j'imagine qu'il y a peut-être un peu de monde avec lui, voilà. Il y a un trésor là, si jamais il n'y en a pas beaucoup à prendre, on ira le chercher. Et puis ça m'a l'air calme, bizarrement. Ça m'a l'air bien calme. J'essaie toujours de monter par des endroits impossibles, tu sais. Ouais, il n'y a pas grand monde. Hein. Ah non, t'es sérieux? Ok, c'est bon. Ah, mais c'était pas... Ah si. Enfin bon, c'était pas forcément l'endroit où il fallait aller. Y a qui là-dedans? Personne. Rien. Que des morts. Tu es le gamin que j'ai vu sur les quais, Soutek. Non. Si. Enfin, je ne suis rien, ni personne. T'es qui, toi? Bayek. Et j'ai besoin de l'objet que tu as volé. Je t'en prie, laisse-moi cet objet. C'est ma mère, elle... Tes parents sont morts. À cause de ça. Et si je peux le remettre dans son tombeau, Nefertiti ne fera plus jamais de mal à personne. Pourquoi tu ne l'as pas fait, alors? Mon oncle, cette crapule, ne m'a pas dit où il était. Il est mort. Que Ré éclaire son passage. Donne-le-moi. Je vais m'en occuper. Pourquoi? Tu n'as rien perdu. Rien. J'étais un Medjay, un mari, un père. J'ai parcouru la moitié de l'Égypte pour verser le sang de ceux qui m'ont tout pris. Tout ça à cause d'une relique comme celle-ci. Prends-la. Prends-la. Je te crois. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'attendais à autre chose. Tu as promis. Le tombeau se trouve à l'ouest du chemin principal, dans la vallée. Je croyais que tu ne savais pas où il était. C'est le tombeau de son architecte. J'y suis resté coincé une éternité. J'ai fini par comprendre. Il y a peut-être encore des sbires de mon oncle, mais je connais une autre sortie. Tu te souviens de ta promesse ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Trouver du travail et éviter les ennuis. Pourquoi est-ce que je n'en crois pas un mot? Ok, alors on doit aller au tombeau de Nefertiti, rien que ça.
Donc effectivement, faut qu'on sorte de là et qu'on aille jusque là-bas. La vallée des rois. Non, franchement, ils ont bossé sur le DLC, y'a rien à dire. C'est très très classe. Alors, je descends tout de suite parce que je pense que c'est une zone interdite. Tombeau de Nefertiti. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à l'intérieur? Ou pas. Non, ça a l'air d'être bon. On est déjà passé par ici. Il y a un passage quelque part là. C'est ici. Le problème c'est que... Voilà. Il y a plein de trésors. Je me demande si je prends vraiment le bon chemin parce que j'arrête pas de descendre. Et on me dit que c'est en haut. Alors... On va voir. Ah parce que là on se trouve... Ok. Là c'est le tombeau de Toutankhamon. Rien que ça. Non mais alors le tombeau il est incroyable. Hein. Au pire si c'est pas le bon, on aura vu celui-là. Donc là, c'est un peu un cul-de-sac, il semblerait. Ouais, à mon avis... Ah, j'ai pas vu ça. Ok, mais voilà en extérieur. Donc non, il y avait, ouais, il y avait les deux tombeaux l'un à côté de l'autre, et j'ai pas dû prendre la bonne route. Ok, on se concentre. Alors moi du coup j'étais allé sur le côté et en fait j'aurais dû continuer tout droit. Voilà. Le sarcophage de la reine Nefertiti. Y est-elle encore ? Non, désolé mais non. Mon Dieu, où sommes-nous ? Écu orgueilleux, arrogant, tu oses mentir dans la maison d'Anubis ? As-tu l'impudence de te prendre pour un juge? Tu décides du sort des autres, alors que tu n'es rien? Ton cas est vivant. Ce lieu est pour les morts. Tu n'aurais pas dû. Ouais, là... Là, on atteint ce qui était prévu. C'est-à-dire le monde des morts. Où on va venir de temps en temps pour combattre des trucs un peu bizarres. Je dois avouer que lampe torche ou pas, on voit rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ce serait Yalou. Si je rapporte la relique au temple, l'esprit de Nefertiti en sera peut-être apaisé. Eh oui! Cet animal, cet étalon des sables éternels, suis-je destiné à le chevaucher? Et voilà, nous sommes dans le monde dont je vous ai parlé depuis le début! Nous y sommes enfin! Et nous avons croisé des trucs de malades ici. C'est pas un monde réel, alors est-ce que sur la carte on a quelque chose? Voilà! Voilà, voilà! Bon, il n'y a qu'une zone, hein, c'est celle-là. Mais bon, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Ça va être génial. Ça va être incroyable. Ah là là. Regardez là-bas les scorpions. Vous les voyez? Attendez. Bon, c'est marqué qu'ils dorment, mais ils dorment pas vraiment.
Regardez-moi ça, la taille des trucs, là. Donc nous verrons ça dans le prochain épisode. Là, on va juste rendre la mission. Et puis après, ouais, on va rester ici un petit moment, je pense. Ah non! Non, moi je veux pas me battre, je veux... On y va et go, quoi. Ah oui, mais non! Hey! Je pensais que c'était genre une ville et tout, que ça allait bien se passer, mais non, pas du tout. Hop! Oui, il y a le scorpion qui est vénère, là. Il m'a repéré, je ne sais pas comment. Bref, avançons. Voilà, là on est tranquille. Bonjour, vous vivez vraiment dans un endroit tout pourri, je voulais juste vous le dire. Ah ok, là je sors de la zone. Attends, je ne vois rien examiner, peut-être en haut. Voilà. Le pharaon que tu honores n'est pas en paix. Tu apportes une relique de Néfertiti sur un plateau couvert d'offrandes impures. Tu offenses les dieux. Seule cette vision est une offense. Je dois y remédier. Alors purifie le sacrifice. Celui qui nourrira les dieux sur leur nef sacrée. Ok, je continue. On a volé quelque chose au pharaon. Je dois le rapporter. Tu n'as rien à faire ici. Ta chair est impure. Imbibée de sang. Rongée par le chagrin. Tu ne peux rien pour Néfertiti. Je dois essayer. Alors, plonge au plus profond des eaux sacrées. Voilà. Non, c'est pas ça. Il me reste un truc à faire, mais si je continue, je quitte la zone, voilà. Je dois encore avoir un truc à faire. En dessous, peut-être ? Non, à mon avis, non, il va me dire que voilà, je la sors. Nous ne manquons de rien. Cette relique, elle a été volée à Néfertiti. Tu ne peux pas apporter ça au temple. Tu ne peux pas entrer avec ces offrandes rances. Cela offenserait à tort. Qu'est-ce qui est rance ? Les libations doivent être pures. Dans l'eau, tu vois ton visage. Mais dans le vin, tu vois le cœur de son jardin. D'accord. Enfin, on voit qu'à chaque fois, ça me rajoute des missions. Hein. Et ça ne me termine pas celle que j'ai en cours. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais, ça veut dire que je dois faire les trois quêtes qu'on vient de me donner. Voilà, les trois qui sont là, je dois les faire. Ok, bah nous verrons ça les amis dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On est enfin arrivé là où je voulais qu'on arrive. Donc ouais, dès le prochain, ça arrive d'être bien sympa. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Ciao tout le monde.